Je vais vous présenter une astuce secrète qui va vous permettre de prendre l'avantage dans certaines situations sur Fortnite. Alors cette astuce, elle fonctionne avec les véhicules des boss que vous allez pouvoir trouver au Nitrodrome, à Brutal Beachhead et à Redline Ring. Donc quand vous tuez le boss, vous récupérez leur médaillon et là vous allez pouvoir obtenir leur véhicule. Et en fait leur véhicule va permettre de booster l'efficacité de vos armes. Donc regardez ici quand je vais dans mon sac à dos et que je vais sur les statistiques, vous pouvez voir que la cadence de mon arme est le de 4. Donc si maintenant je rentre dans le véhicule et que je change de place et que je vais en tant que passager sur la tourelle, maintenant pour quitter la tourelle, je maintiens L3. Voilà, je quitte la tourelle. Et là, je vais pouvoir sortir de mon véhicule et utiliser mon arme. Mais je suis toujours en tant que passager convoyeur, quoi. Alors ensuite, maintenant, regardez si je vais dans les statistiques de mon arme. Vous pouvez voir que ma cadence a augmenté de 6. Donc ça veut dire que la cadence a augmenté de 1,5 fois. Donc c'est super cheaté. Et en plus de ça, ça fonctionne sur toutes les armes. Donc là, regardez, fusil d'assaut, j'ai une cadence de 10. Donc, si maintenant je l'utilise, tout simplement, je tire beaucoup plus rapidement. Et là, regardez, si je sors du véhicule que je vais dans les statistiques, je suis à 7,2 de base, et là, ça l'a augmenté jusqu'à 10. Et ça fonctionne même avec les pistolets mitrailleurs et toutes les autres armes, regardez. Là, je vais en tant que passager, je quitte la tourelle. Et regardez maintenant si je vais dans mes armes. Mon pistolet mitrailleur est passé à 14,25. C'est juste une dinguerie. Regardez à la rapidité que mon arme tire, c'est juste une folie. Alors maintenant, si on regarde pour le fusil à pompe, je suis passé à 2,55 et avec le bourlingueur, je suis passé à 1,05. Donc ça augmente une fois et demie votre cadence de tir sur chacune de vos armes. Donc ça peut être un avantage si vous avez justement ce véhicule-là et que vous êtes en tant que passager, ben vous avez un boost de cadence, mais uniquement sur les véhicules modifiés des boss. Alors dernière petite information aussi que j'ai remarqué, c'est que quand vous avez la nitro, voilà les nitros que vous pouvez récupérer sur la map, vous avez la possibilité de recharger aussi plus rapidement. Donc regardez, quand je vais recharger, vous allez voir que les munitions qui sont affichées en plein milieu de mon écran vont être en feu, tout simplement parce que la capacité de rechargement est augmentée quand je suis sous l'effet de la nitro. Donc voilà, c'est les deux petites astuces que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si maintenant vous en connaissez d'autres, n'hésitez surtout pas à dire en commentaire.